encore bonjour mon YouTube. Alors attends, mon micro est un peu loin, le mec lance vraiment trop à l'arrache. Bien sûr, bienvenue sur un nouveau let's play qui durera pas très longtemps parce que Shina il se lasse très vite des choses. Sur Outward, entièrement et intégralement sponsorisé par la Shinaeri Company. Bonsoir Shinaeri. Bonsoir, l'échec critique Company est d'accord avec vous. Exactement, c'est vrai que c'est l'échec critique Company finalement. C'est la Fumble Company. Et une failure de Fumble Organization. Et une sous-filière encore de... De la malchance. Made from Chichi. Allez. Par malchance, évidemment. Donc c'est un jeu que t'as touché 12 balles, c'est ça? Qui est paru il y a quoi? Il y a... Pff, on s'en fout un peu, parce que c'est vrai qu'on s'en fout un peu, mais... Bah, il y a quoi? Il y a un an déjà maintenant? Ouais, ça peut être ça. Ouais, ça va être à peu près ça, je crois, un an et quelques. En tout cas, la musique est cool. Je vais profiter un peu de l'envolée de thème principal. La musique est cool. Laisse créer la partie parce que comme ce sera toi l'autre. Tout à fait, c'est vrai. Nouvelle partie, une partie de joueurs. En normal, j'ai pas envie de me casser la tête en hardcore. Keyboard, souris, input, games, j'en sais rien moi. C'est quoi le truc? Ah, mais en fait, c'est deux joueurs, mais derrière le même PC? Non, on peut jouer à deux, normalement. Parce qu'il y a keyboard and mouse. En fait, ils me proposent en termes d'assignation de contrôleur, d'avoir soit clavier-souris, et après choisir si joueur 1, joueur 2 peut jouer au gamepad, soit c'est-à-dire manette, enfin je sais pas, appliquer, fermé. Attends, c'est quoi, c'est connerie, parce que... no contrôleur assigné de système, bichure, vas-y, one, annule. Ah, on s'est fait douiller. C'est un cop derrière écran, mec. Bah, et voilà. Attends, non, c'est pas possible. Ah, c'est ça. Là, je suis en train de faire la création des deux persos. Tu t'es fait douiller, mec. Voilà, YouTube, ça me fait plaisir. Alors, en vrai, c'est intéressant d'avoir un jeu qui joue à deux derrière un PC. Par contre, n'avoir que ça comme option, c'est un peu tristou. Outward aurait pu être un très bon jeu. Très bonne musique, hein, ceci dit. Très très bonne musique. Et si je fais échappe, si je dis non, non, on n'est pas content, souhaitez-vous confiner. Alors, oui, du coup, il y en a un qui est sur. Voilà. Voilà. On laisse Shinaeri regarder, hein, quand même. Hein. Débutons le tuto pour un joueur. On le laisse regarder pour ça, on va se faire un tutal. Trop bien. J'adore faire des vidéos comme ça qui ne servent à rien. Vous savez, YouTube, que je me régale. Ah putain, eh, le mec qui est nouveau sur la chaîne là, il doit s'ouvrir les veines, hein. Il est en train d'appeler son dieu Kenny. In my venasi. Trop bien. Arrête, je me sens profondément défoncé là. Yes. Alors c'est ça une sodomie? Merde. Sans contact. Ouais. C'est une sodomie sans contact, frère, ça respecte les distances. À distance sociale, hein, d'ailleurs, c'est pas... Oh, j'ai toujours aimé, d'ailleurs, c'est... Noterez, attention, petite pause critique, juste comme ça, vite fait, sur la neuve langue. Vous noterez qu'on dit distanciation sociale, on ne dit pas distanciation sanitaire. Voilà, parce que l'intérêt, en réalité, c'est de vous couper les uns des autres. Et pas de vous protéger les uns des autres. Et ne prenez pas nos politicards pour des crétins. Ouais? T'es dégoûté? Alors? T'es dégoûté? Attends, je crois savoir, petit joueur. Ok. Pour du tuto. Ouais, un vrai petit tutal, hein. Ah, par contre, hein. Au Moyen-Âge comme ça, hein. Des portes qui font deux fois ta taille. Dimension handicapée. Hein, vraiment, hein. C'est marrant parce que ça fait vraiment les vieux jeux de rôle où on fait exprès d'avoir des grandes portes pour pas bloquer les caméras. Technique. Alors, ok, sortir couteau. Frapper fort avec couteau. Frapper normal avec couteau. Y sert à rien. B accroupi. Ça fait bobo au doigt ou pas? Non, on s'en bat les couilles. D'accord. Ici, on a quoi? On a des trucs.
Ah, c'est accroupi ça. Ok. Attends, il y aurait pas un truc de genre si je reste appuyé et je vais sur B. Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Et sinon, B, ça reste juste s'accroupir selon que. Ok, ok. Nice. J'ai compris de moi-même comment fonctionne le jeu vidéo. C'est pas génial. Eh, hey, il y a une vraie zikmu dans l'ambiance, hein. Ok, alors pour lancer le. Oh bah Alex, hein, si tu veux. Enfin, Shida, si tu veux jouer, nouvel an ici, hein. Ouais, go, hein. Jusqu'à Panam, hein. Pour jouer en ligne, il faut arriver jusqu'à finir les quêtes et le tuto de. Qu'il y a dans le jeu. Et débloquer une. Comment ça s'appelle? Une. Ah oui! Faut débloquer le corps du gaming. J'ai qu'une attaque là, c'est vraiment ça? Ah non, oui, non, c'est vrai que j'ai ça aussi. Ah, ça a l'air un peu plus rapide. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette histoire là. Parce que Bob Lennon l'a fait vite fait ce jeu là. Il y a une histoire comme ça. Je peux aller marcher sur un piège parce que ça a l'air rigolo quand même. Ah bah d'accord, c'est même pas un piège, je suis dégoûté. Ok. Bon, pendant ce temps-là, on profite, hein, on montre à ton tube le tutoriel, hein. Eh, ton tube, c'est super génial ou pas? Me fous de ta gueule ou pas? Bon. Bah écoute, Wow. Ah oui, parce que bah, si je te lock pas, tu mets tout à côté, quoi, vraiment. Ah, c'est vraiment dégueulasse, hein. Ah, j'ai plus d'endu là. Oh, vraiment. T'as trop couru. Bah non, je sais même pas courir dans le jeu. Oh. Comment qu'on court dans le jeu? J'ai une idée, moi. Ah, super méchant manette, moi. Ah. Ok, j'ai trouvé. Une gâchette, un truc du genre. Ok, et la parade, c'est là? Ah, c'est pas hyper pratique, hein. Bon. Pas hyper confi, mais ça se fait... Salut Jean-Claude Philippe. Wow. Ouais, j'ai bien esquivé du mauvais côté. Je m'en fous. Je refuse de parer. La parade, c'est pour les lâches. Voilà, salut. Moi, je suis un véritable guerrier. Prends le bouclier. Voilà. Et je prends le bouclier après. C'est quoi le respect? C'est comme ça que ça marche. Je suis déjà mort. Super. Eh, on peut casser les pots? Est-ce que ce jeu c'est Zelda? Ah non. Non, ce jeu a été fait par des potiers. Non, notre ennemi principal, les potiers. C'est bien, mec. Esquive, c'est pour les lâches. Bon, les lâches, ils ont peut-être raison parce qu'ils restent en vie. Là, c'est ceux qui restent en vie le plus longtemps. Ah, il met un vrai délai de ouf. Mais putain, mais il me fatigue, lui. Super vitesse. Ah, ça fait des esquives. Je pense que c'est ce que voulait montrer le jeu. Par contre, ah, c'est sérieux, le mec, il régène en boucle. Oh mais c'est chiant ça, salut mec. Je me casse au ça. Je m'intéresse pas en fait. Quoi? Je me suis vraiment croûté dans les escaliers là? De fatigue. Oh, super. Oui, le jeu qui doit prendre nous servir des bandages, je pense aussi, ouais. Il doit y avoir un truc comme ça avec. D'accord. Oula. Ok. Je piche pas tout. Équipe, hein. Tu m'as pas appris à me servir de mon sac à dos. Je suis dégoûté. Vite, je veux apprendre à me servir de mon sac à dos. Ouais. Où sont mes bandages? Est-ce que j'ai des bandages? Non.
Non mais vraiment? Ah j'ai cut. Oh j'ai fait un cut. Trop sympa. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu roulades? Je déteste. Faut par contre hein. Si c'est un jeu on peut pas sauter hein. Je me vénère hein. On peut pas sauter. Non parce que c'est problématique ça. Pourquoi? Bah, je sais pas, ça a l'air d'être un jeu où normalement tu peux sauter quoi. T'as un jeu de rôle, non. Tu peux pas sauter, c'est pas un jeu. C'est pas drôle. Ah oui, il faut que j'utilise mes pouvoirs contre ce machin. Ça va être ça, ça va être ça l'intérêt. Pierre de feu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je comprends pas tout, hein. Je sais pas trop ce que je lui fais à ton squelette nul là. Pas un peu obscur cette histoire hein. On se fait 150 pièces. Putain la vache. Enfin non. Ouais, un peu obscur hein, cette histoire là. Vas-y on prend tout. C'est quoi? C'est un chiffon éclair hein. Ouais ça fait de la lumière. Non, rien. Ouais. Je dis de la merde. Potion astrale, hein. Ça a l'air d'être la potion de mana, on dira. Hein. Et de la pierre de feu, hein. C'est pour faire de la magie. Ouais, exigeons juste ça. Non, mais je suis sûr que le tuto va prendre des trucs super intéressants. Hein. Mais vous savez que j'en ai généralement un peu rien à foutre. Donc, on va continuer dans cette vaste tradition. Et puis, on va. Ah, on peut changer d'arme pour tabasser le monsieur. Bon, ça a l'air rigolo la lance, hein. Ça change tes capacités normalement. Quoi? Ah non mais je suis en train de prendre, genre je suis en train de surstuff comme un sourd, c'est ça? Bon bah vous connaissez la chanson, je vais tout piquer. Mais bon, je vais tout piquer. T'es immortel, c'est ça? Ah non. Bah je vais en profiter, je vais te battre. Hein. Voilà. Allez, salut. Salut les cassos, je me casse. Ah, ouvrez la porte aux amis. Voilà, c'est bon, je peux. Je peux t'inviter. Quoi? T'as fini le tuto? Je peux t'inviter. Non, en fait, c'est une fois que t'as fini les 30 premières secondes du jeu, donc l'épisode sur la plage, tu vas dans le... Faut que tu lances en un joueur, en fait. Et ensuite, tu peux ouvrir aux amis. D'accord. Tu me dégoûtes, en fait. Bah ouais. Je savais très bien que tu... Ah mais arrête, tu vas faire plaisir à YouTube, là. Ça me dégoûte. Bah ouais. Bah ouais, écoute. Oh, mais du coup, j'ai pas fait le tuto. Hein. Du coup, j'ai pas fait le tuto, donc je te laisse montrer. En vrai, le tuto est pas inintéressant. Hein. Ouais. Je trouve qu'il est bien. Ah, ça m'a fumé direct. Ah, les pièges sont vraiment mortels. Hein. C'est pas les pièges Skyrim. Hein. Ah ouais. Alors si, c'est les pièges Skyrim difficulté max. Ah, en légendaire. Le... Quand le jeu a décidé que t'avais percuté. Quoi? Non, mais attends, il m'a remis là. Mais je vais le fumax le jeu. J'ai m'a remis au départ. Il m'a dit en fait t'es trop nul, tu recommences. Mais attends. Putain mais toi arrête de rouler, cours. Excusez-moi, c'est ma gâchette de manette qui est un peu pété, hein, c'est pas la faute du jeu. Ah non c'est rude. Non mais t'es caté. Arrête de faire des trucs chiants là, attends que je finisse mon truc. Arrête tes emmerdes là. Oh là là les emmerdes. Bon, non, l'autre, ça y est, ça c'est vraiment les réflexes d'enfant de commencer à inviter les gens alors que t'es pas là quoi. Ouais. Ah, je crois que la marche est un peu élevée. Ouais, ça va, je l'ai bien vécu. Voilà. Et quoi? Prendre des antidotes, ok. Des bandages, ouais. Appeler un ascenseur. Le sonore est cool du jeu, hein. Ok. On pourrait cut, hein, mais bon, on est là pour essayer de faire un peu de tuto. Hein. Oh, qu'est-ce qui se passe ici?
apaiser votre faim et votre soif et vous perdrez connaissance. Tandis que les sources d'eau peuvent assouvir votre soif, finalement, il va transpirer de l'eau avec vous. Ok. De la gourde Asvidas. Il y a un autre truc, non? Je sais pas. Non, c'est bon. Récolter de l'eau propre. J'ai combien de gourdes là? Ah non, parce que je peux boire aussi. Mais je vois pas les jauges de. Il y a des jauges, mais. Enfin, devrait y avoir des jauges. Un petit thé. On se prend un petit thé là. Oh, ça me rappelle que j'ai envie de me faire un café comme à chaque fois que je suis pas en train de boire quelque chose. Quand même terrible d'avoir toujours envie de café, même quand tu bois du café. Ah, super. Ouais, bonsoir. Excuse-moi, j'étais en train de partager. En fait, à la réflexion faite, faudra que ce soit toi qui m'invite. Ouais, je vais héberger la game, quoi. Ouais. Super. Ça veut dire qu'il faut que j'emmerde YouTube à faire les 3 premières secondes du jeu, là. Ah, YouTube est pas d'accord, hein. Les gens ils ont racheté la vidéo. Hein. Bah oui, ils ont racheté quand t'as dit que. Ah bah on peut pas jouer en multi. Ah non, hein. Mais attends, faut cuisiner et tout là. Bah ouais, carrément, mais en même temps. Non, mais je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui a dû lancer la vidéo pour mettre un pouce noir quand même. Attends. Ouais. Quoique, non, le jeu est trop ancien donc je pense que les gens ils en ont plus rien à foutre. Il doit rester plus que les vrais là en vrai. Les vrais en vrai. Lol. Qui sont les vrais? Je sais pas. Enfin, je vois. Tu es un vrai? Non. Ok. Ah, tu coules ton acier très doucement. Oulala. Pas trop vite, hein. Bah, en même temps, faut pas faire des conneries, hein, monsieur. Ah, la machine, elle est de type en train de couler, mais de manière statique. C'est-à-dire que le métal est en fusion, mais c'est un métal. Ah, 50 surcharge. Ah, merde. Ah, ça, c'est embêtant. Ah, ça, je suis déjà en surcharge dans le tuto. Ah, l'animation est dégueulasse. Ah, c'est excellent. Ah, c'est excellent. Ah non, mais c'est trop bien. Ah non, mais... Attends. Du coup, attends. Faut... Sac à dos. Comment on y accède, déjà? Ouais, par là. Ah, ça me fume max de rire. J'avais des trucs qu'on appelait des bandages. Genre PTDR, c'est où? Ah, t'as même pas de quoi acheter au début. Mais attends, j'ai ramassé des... Ah, bandage. Utilise. Ça m'a pas rendu de vie. Perso, il a une sale tronche. J'ai que des machins crus parce que j'ai rien cuisiné. Ouais, oh, un petit truc crude, vas-y, oh, ça fait toujours. Voilà, ça met d'aplomb, frère. Voilà, un petit côte de bœuf cru là. Alors, on est toujours en surcharge là? Ouais, il y a un taux d'effet en bas. Hein. Oh là, on va se prendre un antidote quand même là-dedans parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Ah, c'est bon, je suis toujours en surcharge. Oh merde, je suis toujours en surcharge. Bois un thé. Ça rafraîchit le thé. C'est bien connu. Toujours en surcharge. Mais sérieux, j'ai pris quoi moi pour être en surcharge comme ça là? C'est quoi, hein? Ah, j'ai appris une recette. Toujours en surcharge. Ah, toujours en surcharge. Mais qu'est-ce que j'ai pris pour que... Ok. Attends, mais... C'est quoi un clavardage? Qu'une idée, mec. Ah, non, mais c'est juste le... Ok. Toujours en surcharge? Pourquoi le jeu a décidé que j'étais en surcharge d'un coup, là? On peut jeter des trucs, là? Fais. Dépose. Ah mais c'est chiant parce que j'aimerais bien... Ça y est, on est plus en surcharge. Parce que j'aimerais bien quand même finir le tuto au bout d'un moment quand même. Mais... Ok, faut du bois pour faire des feux de camp. Prendre une armure de fourrure.
prendre ce merdier. Comment ça, je suis encore surcharge? Oh, c'est pas possible, ça. Mais... Putain, les visages veulent rien dire, par contre. Ah oui, j'ai encore de la place dans mes poches. Ah ouais, d'accord. Mets-moi des bandages en poche, là. Non, mais... Oh, t'as compris. Voilà. Les briquets aussi, tu déplaces en poche. Voilà. Les feux de camp aussi, hein. Non, non, mais faut pas un feu de camp par terre. On s'en fout. D'accord, très bien. Donc là, on est en firure. Ok, très bien. On vient de nous apprendre plus ou moins la gestion du chaud et du froid. J'ai pas écouté, comme qui dirait l'autre. Mais vous, YouTube, vous avez écouté, hein. Ou alors, vous avez le jeu et on gagne un temps précieux. Non, mais vraiment, le tuto est bien fait, hein. Le tuto est long. Long et posé. T'apprends des choses intéressantes. Une clé mort du loup. Ah ouh. Lanterne d'explorateur, clé mort du loup. J'en prends une de chaque, hein. Un sac normal. Un sac de nomade. Ok. Bon. Bon bah j'ai une lanterne sur le cul. Et par contre, tu m'as donné un news couteau. Équipe. Ah oui d'accord. On est passé dans un jeu sponsorisé Epic Games là. Ouais, ça tabasse un peu les clémors. Hein. La clémore du bon toutou, à première vue, ça tabasse un peu. On prend tout. Ah, il y a un système de crochetage, non? Oh. Ouvre. Ah non, c'est juste maintenir pour ouvrir, ok. C'est un gacha. Hein? Poche surchargée? T'es sérieux le jeu? Putain, tu casses les... Excusez-moi. Dépose. Dépose. Je veux pas que je ramasse une tonne de trucs, mais pas une tonne de trucs, s'il te plaît, quoi. C'est la base du monde du jeu vidéo. Et mes poches sont surchargées. Ah oui, parce qu'en fait, faut mettre que la thune. Oh là 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 là, mets ça dans le sac, là. Ouais, ouais, mets tout, vas-y. Oh là là, mais putain, mets tout dans le sac. Non mais, je me suis encore gouré. Ah non mais vraiment, juste le fait d'avoir de la thune dans les poches, c'est trop quoi. C'est inacceptable en fait. Le jeu refuse. Mais non. Dépose. Dépose. Je vais virer du merdier, vraiment. Même le bouclier, là, en fait. Parce que ça pèse lourd, les boucliers, je crois. Ouais, c'est ça. Ça libère tout de suite. Voilà, il y a des trucs qui volent de partout. De toute façon, j'ai bien compris que, vu le merdier, on allait rien garder. Voilà. Juste des coffres. Pour ouvrir des coffres. Regardez, il y a des choses et des machins. Une clé morte de prière... Bon, ça a l'air très stylé, hein, tout ça, hein. Ça donne envie d'essayer du matos, hein, mais bon, voilà, c'est super, hein, c'est magnifique, mais on va juste passer tranquillement à la suite, hein. Enfin, il y a du pognon quand même, là, je suis un peu deg. Ok. Bon. Ah oui, je vais la refermer. C'est swag, hein. Par contre, c'est ultra swag. Ça a l'air cool, hein. Le design est... tente de luxe. Moi, je suis un mec du luxe, hein. Ouais, je pars du principe que j'ai Shinai pour turbiner, et moi pour profiter. Je suis un peu le Ars de Heroic. Parle mal. Voilà, quittez le tuto. Bon, bah, vous aurez vu le tuto, voilà. Vous aurez vu la galère. Est-ce que... Ah si, théoriquement, si, il faut quand même que je fasse cette nouvelle partie de joueur pour démarrer cette galère. Ouais. Voilà. Il faut que je passe les 30 premières secondes. Attends, faut que je m'appelle Jim et tout, là. Genre comme non, carré. Non, non. Tu
créer ton petit perso. La Pnarfan production. Non, non, rien du tout. Rien du tout. Sexe masculin, ça c'est ok. Orient. T'as... Le plus blanc comme un cul que t'es, c'est quoi? On va prendre le mec de base. Oui, je veux faire un vieux. Voilà, Jean-Michel tête de gland. Ouais, mais vous avez des sales gueules, les mecs, quand même. Hein. Ouais, vas-y, va pour toi. Ouais, attends, en plus, t'as des coiffures à gérer. Il y a un hard design. Oh là, ça y est, la coiffure du blond, quoi. Je vois aucune div dans les coiffures. Ça, c'est sûrement moi. Hein. Bon, on va prendre ça, c'est très bien. Couleur 1, 2, 3. Bon, si on peut avoir du orange. Ah, du rouge. Ah, ouais, on est japonais quand même. Hein. Il y a des couleurs très exotiques, mais orange. Ah, c'est, putain, c'est, j'ai trouvé orange, quoi. Et encore, hein. C'est orange. Faut pas être trop exigeant. Hein. Bon, allez, orange. Héritage. Aucun. Ah, si, attends, il y a des trucs d'héritage. Ok. Bon, bah, crée. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Ouais. En même temps, t'as pas de personnalisation très poussée, ouais. De personnalisation personnelle, personnellement, je le vis mal. Ouais. Je sais pas passé la vie dans la sûreté à Tierzo. À l'abri de... Eh, hey, Tierzo, c'est italien. La brutalité extérieure. Mais la vie à Auray n'est jamais si facile. Pour toute la sécurité que la tribu procure, ces lois sont très strictes. Ce ne sont pas les individus qui sont jugés, mais les lignées. Les échecs de ma lignée présent pèsent... ma lignée pèse sur moi. Ma grand-mère a autrefois ruiné la tribu, ce qui a valu à ma famille de recevoir un prix du sang. Depuis, nous continuons de payer le prix de ses actions. J'ai rejoint mon vieil ami Izan. C'est pas Izan, non? Pour une expédition par maritime, en espérant que l'argent récolté pourrait payer mes dettes. C'était une erreur, j'ai de la chance d'être en vie, après que nous ayons fait naufrage à notre retour. Je n'ai maintenant plus le choix, je dois me relever et faire face aux étendues sauvages au-delà des murs. Je dois bâtir mon propre avenir ou mourir en essayant. Oh, qu'est-ce que les aubergistes ou les gardes? Avec le temps, la nourriture pourrie, manger ou cuisiner. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Il y a des petites notions très réalistes de jeux de rôle très classiques. Ah, ce caleçon! Bah voilà, get approved. Alors, où est-ce que je dois activer le truc, là, 3 alors, secondes de jeu tu... Je cours pour l'instant. Je prends une torche, c'est ça? C'est ça, tu fais le début. Une fois que t'auras parlé au premier... au... Une fois que tu sors de ta baraque, tu vas pouvoir... Non, parce que là, on est déjà dans le vrai monde, on est d'accord, hein? Ouais, on est dans le vrai monde. Donc t'es déjà en train de me dire que je peux vraiment tout looter comme un sourd. Demain, Shinai. Hey, Shinai. Par contre, je vais faire... Attends, je vais faire un réglage très vite, parce que le son est très fort. Le son est très fort. Quel son est très fort? Ah. Quel son est très fort? Le son de mon jeu est très fort. C'est assez... Oui, je crois qu'on l'entendait en écho d'ailleurs. Ah, ben... Je crois que c'était ta faute ça en fait. Ouais, c'est toujours ma faute de ça. Yes, évidemment. Voilà. Ok, une fois que t'es sorti de la baraque, tu vas avoir une petite... Attends, j'y suis pas encore là. Moi, je suis en train de... Je suis en train de loot là. Ouais, je pense que on pourra démarrer le jeu dans 45 heures à peu près, quand j'aurai à peu près fini de loot, grossièrement. Ouais. Je pense que ce sera bien. Non, je check juste vite fait les bords de plage, parce que je me dis que le tracé ne nous y amène pas forcément, mais voilà, il y a des petites conneries à gauche à droite. Genre là, je vois des algues, vite fait, je gratte, hein. J'essaie de découvrir ce qui se ramasse, ce qui est lootable. Ah oui, l'eau salée, la fameuse, on peut boire de l'eau salée, vraiment de désespoir. Genre tu vois, là, il y a un petit squelette, là, j'ai pas de pioche, hein, pas de pelle. Hein. J'ai des mains, je gratte très bien. Ah voilà, un tas de déchets. Et bah voilà, on prend tout.
J'ai bien fait de faire le tour de cette plage. Toujours une excellente idée. Ah, par contre, on sait pas nager, c'est ça le projet? Ah. Peut-être que plus tard, on apprendra. Non, mais c'est quand même con d'être marin et de pas savoir nager. À titre informatif. Le marin ne savait pas nager, hein. Je sais. Mais c'est pour ça que c'était con. J'ai pas dit que c'était faux. J'ai dit que c'était con. C'est un peu, je sais pas, c'est un peu comme si tu prenais la mer et que t'aimais pas l'eau, quoi. Ah, c'est un peu con. Oh, un bandage. Ok, j'arrive à un endroit où il y a un tir ce mec là avec une cabane en bateau ravagé là. Ben, dès que tu lui as parlé, tu fais ce qu'il te dit, puis tu vas avoir un second dialogue un peu plus tard. Attends, je fais le tour de sa casse-bas, frère. D'abord, je le dépouille, après, je lui parle. Je lui pique un bout de pain. Tu nages un peu au milieu des cadavres, amigos, hein? Bah, il y a eu un naufrage, normal. Ethan Argenson. Un italien! Vous êtes en vie, vous devez avoir très froid. Venez près du feu avant de mourir de froid. Yes? Ethan, no. Où sommes-nous? Y'en a mes souviens, qu'est de notre navire contre les rochers? Nous ne sommes pas loin de la maison. Vous voyez le phare d'ici, non? En même temps, il a un chapeau espagnol, hein, je veux pas dire. Hein. Ouais. Et il est très coloré, bariolé, comme un... Ah, comment il s'appelle, ceux qui font le carnaval italien, là? Carnaval... Arlequin. Oui, un arlequin, exactement. C'est un casite, né sur un bateau. N'hésitez pas à dormir dans l'un des sacs de couchage supplémentaires. L'un des sacs de couchage supplémentaire. L'un des sacs de couchage... Utilisez le sac de couchage supplémentaire. What, par contre, il a des techniques de sommeil, le frère. Ça fait mal, hein. Ouais, Ah, il fera plus 13 jours. Oh, on va confirmer. Oh non, je me protège contre aucune embuscade. Je vais me faire embusquer, moi. T'es fou, quoi. Il y a quelqu'un qui veille. Pas te faire embusquer. Non, mais c'est dommage. C'était mon rêve. C'est ton rêve. Mon droit d'y croire. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir t'inviter, c'est ça? Ouais. Une fois que tu sors de la baraque, oui, tu vas pouvoir m'inviter. Vous perdez vite connaissance et rêvez de quelque chose, que quelque chose vous capture. Vous sautez hors de votre lit, vous débordez hors de... Hors de soulagement, vous débordez alors de soulagement en reconnaissant ce lieu. Vous êtes de retour dans votre lit chez vous au phare de Tierzo. Izzano a dû vous ramener à votre phare familial. Votre souffrance physique témoigne de la réalité du naufrage dont vous venez d'être victime. C'est toi la victime, c'est pas moi. Ok, donc là on est dans la casse-bas. Donc à partir de là, il faut que je me dépêche d'activer tout le jeu. Ok. Alors attends. Qu'est-ce qui est équipé, qu'est-ce qui ne l'est pas? Résistance 3, résistance aux impacts 2, protection contre le froid 6. D2, temporaire, chaud, ok. Calque-moi ça sur le dos. En plus, ça fait plus irlandais. On apprécie. Sacoche primitive, ouais, vas-y, charge ça sur le dos, c'est parti, ma gueule. Donc ça, c'est la famille qui jouait aux osselets. Ouvrir la réserve. Je sais pas ce qu'on a dedans. Un capuchon en lock. Ouais, vas-y, prends tout. Dans le doute, tu prends tout, mec. Dans le doute, je prends tout. J'ai des bottes 1-1-3. Et les autres, c'est des... 1-1-1-1 partout. Bon, pas très intéressant. Par contre, ça, on peut l'équiper. Ancienne, on peut l'équiper. Ok. Par contre, on va peut-être pas la gaspiller ici, là. Parce que je suis sûr qu'il y a de l'huile pour les lampes. Je suis sûr que les espèces d'escrocs, ils ont mis de l'huile pour les lampes. Ah, déséquipe-moi ça. Enfin, en soi, des escrocs, en vrai, ils ont raison, mais... De la viande séchée. Intéressant. Métier à tisser.
Non mais pour les mecs, pour une famille qui ont une méga dette envers le monde entier, ça va, hein. Ça va, la tête du domaine familial, on est bien, hein. On est quand même confit, hein. Le Sevich, ah oui, le fameux, la fameuse recette qu'on a appris dans le tuto, qu'on va pouvoir réapprendre immédiatement, excellent. Confiture de gambet, on peut utiliser la cuisine pour tout de suite se cuisiner un truc, pour un sac de couchage, le silex en fer, un deuxième silex en fer. Ok. Une deuxième lanterne, parce qu'on aime bien ramasser des lanternes. Qu'est-ce que je fous dans la cuisine? Mince, c'est où la suite? Non, j'ai été piégé dans une cuisine. Mon mortel ennemi. Attends, j'ai raté une porte quelque part là? Bah yes. Bah voilà. Ah, je suis face à des gens. Ouais. Faut que je leur parle ou je peux activer maintenant? Parle-leur d'abord et puis que... J'espère que vous êtes... Le prix du sang est sacré! Vous ne pouvez pas rejeter cette responsabilité! Si je ne vois pas mon argent avant de compter jusqu'à 10, vous regretterez votre présence! Ouais, vous étiez aussi sur ce navire, n'est-ce pas? Combien de vies votre famille doit-elle détruire avant qu'il en soit assez? Si vous ne pouvez pas payer ce que vous devez, nous saisirons votre maison. Le système de loot, est-ce qu'il est partagé ou est-ce que... Je suis en scène cinématique dramatique. Il suffit. 12 personnes sont mortes. Cessez immédiatement ce comportement honteux. Menacer quelqu'un ainsi alors que les morts sont encore fraîches est une insulte à leur mémoire. Les morts sont encore frais. Masculin. Quoi ? Il suffit ! Si vous voulez reprendre vos affaires après la période de deuil, vous en êtes libre. Oliel, raccompagnez-les, voulez-vous ? Vous avez entendu, mère ! Allez-vous-en ! Ou je ferai en sorte que votre tour de garde soit doublé. Voilà. Je suis navré que vous ayez dû vous réveiller ainsi. Je vous prie de les excuser. Beaucoup ont perdu des membres de leur famille et sont à cran. J'en ferai plus si je le pouvais. Le mieux que je puisse faire est de déclarer une période de deuil pour gagner un peu de temps. Mais quoi que ce soit, pendant 5 jours, mais si vous ne payez pas ces 4 mois de retard vous-même, la tribu aura votre tête. Cela vous donnera quelques jours pour régler vos dettes. Faut que je trouve 150 boules. Une fois que vous êtes capable de payer, venez me voir. Je vous prie de trouver un moyen. Cela me paraît être la meilleure. N'oubliez jamais, personne n'est orphelin à Sirius. Si vous pouvez rendre un grand service à un habitant de Sirius, nous vous devrons une faveur tribale. Adressez-vous à Burak, le gardien du portail, lorsque vous désirez quitter Sirzo. N'oubliez pas, vous ne disposez que de quelques jours. Ok, je n'oublie pas que je ne dispose que de quelques jours. Excusez-moi, j'ai vu un truc lootable, là. Merci, parce que, en fait, voilà, j'ai un peu la... Voilà, je suis un peu nerveux sur le loot. Tu m'avais parlé d'un truc obscur qui était un panneau activé, machin, j'ai rien compris. Parce que je suis encore en cinématique. D'accord. Et quand il y a plus alors ? Oh, il y a un bâton ! Je suis sûr que tu l'avais pas vu le bâton de combat. Je l'ai le bâton. Tu me dégoûtes. T'as juste à faire start ou échappe, je sais pas ce que t'as sur ta manette. Clavardage ? Non. Ouvrir la partie, puis après, bah... Oh là là, il faut que je rentre des mots de passe et tout, région en ligne et tout. Oh là 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 là. Ah, des bisous, YouTube, on se retrouve. Oui, c'est des bières, vous avez entendu, YouTube. À la prochaine, hein, des bisous, YouTube.